Bonjour les enfants, nous allons lire aujourd'hui Monsieur Hibou veut dormir. Le soleil se lève sur la forêt. Monsieur Hibou peut enfin aller dormir tranquillement. Monsieur Hibou ôte son chapeau melon et se lave le bec. Puis met son bonnet de nuit et se glisse dans son lit. Tap, tap. Oh, c'est quoi ce bruit ? Je veux dormir. Tap, tap, tap. Le bruit vient de chez Monsieur Pivert, le voisin de droite. Monsieur Pivert fait des trous dans sa maison. Il adore ça. Mais cela empêche Monsieur Hibou de dormir. Alors il doit trouver un moyen d'éloigner Monsieur Pivert pour la journée. Il y a un arbre de l'autre côté de la forêt à l'écorce si dure que personne n'a réussi à y faire le moindre trou. L'envie de faire le premier trou est si forte qu'il s'y rend tout de suite. Si personne n'a réussi, moi, je vais le faire. Allez vous rendormir, Monsieur Hibou. Et voilà, plus de bruit, Monsieur Hibou bâille et se recouche au chaud dans son lit. Qu'est-ce que c'est encore ? Crac, 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 crac. Laissez-moi dormir ! Crac, crac, crac. Cette fois, le bruit vient de chez Monsieur Écureuil, le voisin de gauche. Monsieur Écureuil mange des noisettes, il raffole de ça, mais cela empêche Monsieur Hibou de dormir. Alors il doit trouver un moyen d'éloigner Monsieur Écureuil pour la journée. Il y a un arbre de l'autre côté de la forêt qui pousse ou pousse des noisettes si grosses que personne n'ose les goûter. La gourmandise pousse Monsieur Écureuil à s'y rendre illico. Si personne n'a réussi, moi je vais le faire. Allez vous rendormir, Monsieur Hibou. C'est le silence. Monsieur Hibou replonge dans un sommeil bien mérité. Dodo, plouf, plouf.
découvre encore un bruit. Ça vient de chez Madame Grenouille, la voisine du bas. Plouf! Madame Grenouille s'entraîne à plonger, elle est la meilleure pour ça. Mais cela empêche Monsieur Hibou de dormir. Plouf, plouf! Alors il doit trouver un moyen d'éloigner Madame Grenouille pour la journée. Il y a une mare de l'autre côté de la forêt, si grande que personne n'a osé y plonger. L'envie de plonger est si forte qu'elle s'y rend séance tenante. Si personne n'a réussi, moi je vais le faire. Allez vous rendormir, Monsieur Hibou. Monsieur Hibou se remet au lit en espérant pouvoir dormir cette fois. Dring! Oh, pauvre monsieur Hibou, son réveil sonne. C'est l'heure de se lever. Ouh, la nuit tombe sur la forêt, la plupart des animaux dorment. Monsieur Hibou, lui, commence ses activités. On veut dormir. L'histoire est terminée. Bonne journée, à bientôt les enfants.